Bonjour, eh bien, on attend tous euh, l'explication des événements dramatiques qui se passent. Les quotidiens titrent La guerre en Europe. Et euh, je crois qu'on doit d'abord penser que ce qui survient en Europe, malheureusement, maintenant. Le tiers monde, les pays du sud, le connaissent constamment depuis longtemps. Et l'Europe, les États-Unis font la guerre à toute une série de pays. Et on en parle un peu ou pas du tout. Et on nous dit la vérité ou pas tellement. Et donc je crois qu'on doit placer ça dans une vision globale. À quoi sert la guerre Quelle vaut, Que vaut notre info sur la guerre Et. Que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour un monde meilleur, c'est-à-dire un monde où la paix régnera Anne Morelli, qui a publié le magnifique petit livre Principes de la propagande de guerre, rappelle à l'occasion de ce conflit en Ukraine, lors de toute guerre, celui qui se veut prudent écoute les arguments des deux camps en présence. Avant de se forger une, un point de vue où met en doute l'information officielle, celui-là est immédiatement considéré comme complice de l'ennemi, un traître, comme on disait avant. Donc, euh, oui, voilà, je suis un traître, vous aussi sans doute, si vous cherchez au-delà de l'information officielle, le dessous les cartes, ne nous laissons pas impressionner. Et. Réfléchissons sereinement avec notre cœur, mais avec notre cerveau aussi. Euh, ma première pensée va aux victimes, maintenant, partout, de tous les côtés. Avec toute ma sympathie, la guerre est toujours cruelle, il y a toujours des bombes qui tombent mal, et c'est toujours un énorme paquet de souffrances. Et je dois dire que j'en ai eu un peu l'expérience le, personnelle. Durant mes reportages dans des pays en guerre, j'ai pu ressentir cette angoisse. Par exemple, en Yougoslavie, dans une mission internationale dont on a sorti un film, 15 belles sous les bombes de l'OTAN. Vous êtes là, tout d'un coup vous entendez un missile qui siffle, vous ne savez pas où il va tomber, vous ne savez pas si votre vie s'arrête ou si c'est heureusement plus loin, mais sur qui. Et. En Libye aussi, en été 2011, j'ai fait un reportage que vous pouvez trouver sur Internet. Le titre s'appelle Sarkozy, combien d'enfants as-tu tué cette nuit Parce que justement, forcément, il y a beaucoup de victimes innocentes. Et j'ai vu ça en Irak aussi, j'ai vu les conséquences des bombardements, un abri civil bombardé par les forces, les bombes humanitaires, bien entendu, des États-Unis. Donc, la première... Remarque, le premier conseil, c'est l'émotion, oui, elle est très très importante. La guerre, est... on ne peut jamais l'accepter, ça va toujours nous révolter, mais elle ne doit pas empêcher la réflexion. Des... Toute image doit être vérifiée, si possible, ou prise avec distance quand on ne peut pas. Toute info doit être analysée. Est-ce que c'est vrai? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'on ne nous dit souvent pas, et quelles sont les causes de ce qui se passe maintenant Dans chaque guerre, on nous a menti. Euh, le Vietnam, Panama, euh, l'Irak, deux fois, l'Afghanistan, la Yougoslavie, la Libye. Ça, je l'ai analysé dans euh, mon livre. Euh, Libye est attention média d'abord, puis Libye autant média mensonge, poker menteur, voilà, c'est un peu ma spécialité. Malheureusement, c'est pas toujours une spécialité très drôle à traiter. Anne Morelli l'a bien décrite dans ce que je mentionnais, les principes de la propagande de guerre. Et bien sûr, le grand classique pour analyser ça, c'est Fabriquer un consentement d'Herman et Chomsky chez Investigation. Ça, je ne peux jamais trop le, le recommander. Et le problème, c'est que la première victime de la guerre est la vérité, ça c'est le cliché, et la vérité vient en général trop tard. Plus tard, on apprend. Par exemple, une commission du Parlement britannique explique que Tony Blair, les dirigeants anglais, les dirigeants US ont menti sur la guerre en Irak et ont menti aussi, on le sait moins, sur la guerre en Libye, mais complètement, sur toute la ligne. Mais on le sait trop tard, en attendant, les victimes sont tombées. Donc, c'est euh, une première mise en garde et j'espère que la technique va bien fonctionner. Voilà, on me dit d'augmenter le son. Oui, ok, je vais parler plus fort et un peu plus près du micro. Euh, j'espère que la technique va bien fonctionner et je vais vous passer un petit extrait d'une euh, interview, d'un entretien que j'ai fait il y a quelques années avec un ancien expert de la CIA. Ce n'est pas tous les jours qu'avec mon, euh, mon vécu, et mes prises de position claires, je me trouve d'accord avec quelqu'un venant de la CIA. Et donc je vous passe cette vidéo. C'est très très court et je crois que ça donnera à réfléchir. Comme on sur la télévision, dans simple. Russia is the bad guy, uh, attacking Crimea, Ukraine, Syria, and so on, respecting nothing. And the USA are the good guy and saving the world, saving peace. Is it a propaganda world, or what is your experience? It's a miracle that most Europeans believe that. Most Europeans are better educated than most Americans. Uh, most Americans believe that too, and it's a function of what I think is the most important factoid in my lifetime, and that is that we no longer have, in any real sense, a free media. The fourth estate is dead. The only hope is the fifth estate. And I don't know how the fifth estate comes through the ether, but I do know that it comes into my computer, and I know that young people get their news. <laughs> from their computer from the internet from the web that's good news it's going to take a little bit more time but i think the truth will finally prevail you mean the fifth state uh, that can... voilà donc euh, un appel à se mobiliser un appel à prendre l'info en main soi-même euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup <laughs> malgré son passé c'est yann yeah, mais je trouve que c'est a d'autant plus de valeur justement que quelqu'un comme ça nous dit mais faites attention à l'information, les médias ne vous informent pas sur les guerres, on tombe dans des panneaux dressés justement par des services secrets, des services de désinformation. Quels sont les silences concernant la question de l'Ukraine euh, Eh bien, le fait que tout d'abord, euh, le gouvernement de Kiev et les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., s'appuient sur des nazis, sur des néo-nazis purs et durs, des antisémites en plus. Euh, on en a des images très claires, ils tiennent le haut du pavé euh, à Kiev, ici on les voit en démonstration. Euh, ici euh, le, les symboles nazis à peine recyclés, donc c'est très très clair. Et euh, ils jouent un rôle en première ligne pour euh, des provocations, je pense. Qui explique euh, les événements comme ils se sont déroulés. Euh, on ne nous dit pas qu'en fait, depuis un bon moment, il y a des chars ukrainiens à l'Est et des chars du gouvernement à l'Est et qu'il y a des bombardements, que euh, ça ne vient pas de Poutine qui jusqu'à présent ne réagissait absolument pas, mais que ce sont des violations qui viennent du gouvernement. Vous avez ici un rapport, en fait, c'est la. Un, une carte d'un rapport par l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, donc c'est une organisation de monitoring, de, de surveillance en Ukraine, tout à, fait, euh, tout à fait technique, neutre. Et ces gens disent que la plupart des violations de cessez-le-feu observées au 18 février venaient du gouvernement. Euh, il y a, et je vais vous montrer ça dans une petite vidéo très courte aussi, il y a un reporter US très courageux qui est allé là sur place et qui montre des écoles et des villages bombardés par le gouvernement. Et ça, c'est des images qu'on ne nous montre pas dans nos médias. Je vous le passe, c'est très très court. Il, il parle de façon difficile à suivre tellement il est euh, bouleversé. Mais voilà. And right now we are in the Kievsky district of Donetsk, the uh, capital of the anti-Ukraine government Donetsk People's Republic forces. And now, uh, as you can see behind me, all these windows here are uh, broken. That's because this school number sixty-five here uh, was hit by Ukrainian uh, shelling. The residents tell us it was a divergent uh, group that fired on this uh, location. Um, this is a second school. and also a man has lost his life now we can see the impact here behind me we're told that this school has been hit already 3 times and all these windows have been replaced 3 times by ukrainian shelling <laughs> voilà alors on m'a demandé de parler plus fort j'ai débranché un micro qui peut-être ne faisait pas un bon effet réglez votre son sur le maximum aussi je vais euh, élever la voix euh, en fait, je disais que les médias ne parlent pas de cette euh, situation des victimes bombardées par le gouvernement de Kiev, par les alliés de l'Occident. Il y a une exception quand même. Il y a eu un étonnant et courageux reportage euh, de TF1 il y a quelques jours qui montrait et donnait la parole enfin à des habitants de Donetsk euh, bombardés par le gouvernement. Euh, il n'est plus visible en direct sur... Euh, Internet ou sur le site de TF1, mais vous pouvez encore le voir sur le site de lescrises.fr animé par notre ami Olivier Berruyer. Il y a un très très bon dossier justement sur ces provocations et là vous pouvez voir ce reportage de TF1 qui euh, flanque par terre une bonne partie du narratif officiel de, sur l'Ukraine. Ce qui est important aussi parmi les silences, c'est qu'on ne nous dit pas, mais ça se trouve dans toute une série de rapports que j'ai reçus, qu'il y a des mercenaires, des gens des services secrets, US et des services britanniques, qui sont sur le terrain dans le Donbass, à mon avis, pour lancer des provocations, et je pense que ça a marché, de même qu'il y en avait sur le terrain avant et dès le début des événements euh, en Libye qui ont mené au renversement de Kadhafi. Donc, on est là dans quelque chose qui est un peu le, le quatrième principe de, la, de ce que j'appelle la propagande de guerre, c'est-à-dire... Euh, inverser l'agresseur et l'agressé, euh, pré prétendre que, bien sûr, notre ennemi, c'est lui qui agresse et qu'on ne sait pas pourquoi ou parce que c'est un dictateur ou qu'il est très méchant, des choses comme ça, et en réalité, cacher ce qui a été fait avant. Euh, c'est comme si vous arrivez... Euh, deux personnes qui sont en train de se mettre des coups de poing, vous en voyez une qui frappe très fort l'autre, vous dites Ah, ça, c'est pas bien, mais si vous venez d'arriver, vous ne savez pas que peut-être l'autre, ça fait 20 minutes ou 20 ans qu'il tape dessus, comme on le fait avec la Russie depuis 20 ans maintenant, de la part des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de rapports là-dessus, et c'est très, très important, et on se demande si le gouvernement de Kiev. Qui a joué avec ces milices néo nazis euh, exerce maintenant entièrement le contrôle dessus, ou si ceux-ci agissent de façon autonome, ou alors des, reçoivent des encouragements de la part des États-Unis qui voulaient absolument faire exploser euh, et escalader la situation. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un premier point qui est très très important pour, euh, pour comprendre. Euh, qu'en fait quand on voit une situation de guerre ou de conflit comme celle-là, on doit toujours se demander mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas montré Sur quoi est-ce qu'il y a des silences Alors euh, j'ai fait une émission il y a deux trois semaines sur l'Ukraine à laquelle je renvoie, je ne vais pas trop répéter mais je dois quand même rappeler une chose, c'est qu'effectivement euh, il y a des néo-nazis depuis... 2014, le coup d'État qui a renversé le président élu, alors que la France et l'Allemagne préparaient des élections et que donc une solution au problème allait être trouvée, mais les États-Unis n'ont pas voulu. Et euh, Madame euh, Nuland a euh, effectivement saboté cette, euh, cette euh, solution diplomatique. On la voit ici à Kiev avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev. Une conversation secrète a fuité entre eux où l'ambassadeur disait à Nuland quand même, vous savez, les Européens ne sont pas très contents que nous employions des nazis et que nous, nous empêchons l'application de l'accord de paix qui a été conclu. Et Mme Nuland, ça il faut quand même le répéter sans cesse Mme Nuland a répété en croyant qu'on ne l'écoutait pas. Euh, fuck the EU, euh, les, Euro, les Européens, je la baisse. Donc, ça doit se, on doit se poser beaucoup de questions là-dessus. Et je pense que, qu'en en fait, on devrait avoir une investigation, une enquête sur les événements de 2014. On nous a dit dans la version officielle, le président, la police officielle tire sur les manifestants et donc ça a servi d'argumentation, de justification pour le renverser. Or, il y a une autre thèse avec des arguments assez sérieux qui dit qu'en réalité, ce sont euh, les euh, agents des États-Unis, le futur régime, qui ont engagé des snipers pour tirer et sur la police et sur des manifestants. C'est un scénario qu'on avait déjà vu à Caracas, qu'on avait déjà vu euh, en Lettonie euh, précédemment. Et donc, euh, c'est difficile pour moi de vous dire oui, ça c'est la vérité, ça c'est faux. Euh, je viens de recevoir tout récemment une euh, étude canadienne à l'université d'ottawa le massacre des snipers sur maidan et ils euh, disent qu'en ayant analysé elle, une série de vidéos toutes les vidéos disponibles et en synchronisant le son des tirs et les images des gens qui tombent etc la thèse du gouvernement actuel s'effondre et que c'était bien ce qu'on appelle en anglais false flag un attentat sous faux drapeau. Alors moi et d'ailleurs ils disent que deux leaders du mouvement d'extrême droite le parti fasciste Svoboda, ont déclaré que un représentant d'un gouvernement occidental qu'ils n'ont pas nommé leur avait dit quelques semaines avant le massacre de Maïdan que les gouvernements occidentaux allaient certainement euh, se retourner et renverser le gouvernement des Yanukovych si le nombre des victimes parmi les manifestants atteignait 100 personnes. On a déjà eu ce genre de choses dans d'autres pays. Et donc, voilà, moi, je ne peux pas vous dire cette étude-là, je viens à peine de, de la recevoir, elle est assez copieuse. Euh, je signale que si euh, des amis canadiens ou, ou autres, je sais qu'on les écoute aussi là-bas, nous... Euh, peuvent lire cette étude et nous dire si c'est sérieux et aider à lancer une vraie enquête sur euh, ces événements historiques, eh bien ce sera euh, très précieux de nous aider parce que voilà, il y a trop de travail, il n'y a pas le temps et donc euh, j'ai vraiment besoin de... Nous avons avec Investigation besoin de coups de main. L'idée que des euh, les occidentaux utilisent des fascistes pour leur sale coup, ce n'est pas nouveau. Ça s'est déjà passé en Yougoslavie avec euh, l'utilisation du fasciste euh, croate Franjo Tujman, du fasciste euh, dit musulman, mais ça n'a rien, rien à voir avec la religion. Izet Begovic, qui avait été dans sa jeunesse, qui avait travaillé avec Hitler, et Tujman était un antisémite. Izet Begovic était un raciste profond et il avait collaboré avec Al-Qaïda. Euh, les États-Unis, je veux dire, ont collaboré avec Al-Qaïda. Donc, il y a un. Un vrai problème. Euh, Poutine parle de dénazification de l'Ukraine. Il y a un vrai problème. On ne prend pas au sérieux la, euh, la question de, du nazisme. Je rappelle que l'Union soviétique a euh, porté le poids de cette tragédie, qu'elle a euh, subi euh, entre 23 et 30 millions de victimes selon les calculs, que c'est elle qui a vaincu le nazisme. Et donc, dans toute la population là, ça reste. Un héritage psychologique, culturel très important. C'est eux qui ont vaincu le nazisme pendant que les États-Unis attendaient tranquillement à la maison pour tirer les marrons du feu et intervenir au dernier moment. Donc, je crois qu'on doit, on doit prendre très au sérieux cette question de l'utilisation des nazis par les gouvernements dits démocratiques. Euh, J'ai donc titré sur la guerre du gaz, et c'est un deuxième aspect que je veux absolument développer parce qu'on n'en parle pas, il est très très important. Lorsque j'ai préparé cette émission, qui au départ était prévue pour analyser la question du gaz entièrement dans le monde, et euh, me disant comme toujours qu'on ne doit pas croire les euh, grandes puissances occidentales quand elles nous disent qu'elles sont là pour défendre une noble cause, non, on doit toujours chercher les intérêts qui sont derrière. Et donc, l'histoire du gaz, c'est fondamental. Et j'en ai discuté avec mon ami Bruno Zresky, euh, que je salue et à qui je souhaite un bon rétablissement pour ses euh, problèmes de santé actuels. Et je lui ai dit Est-ce que tu connais des gens qui sont des spécialistes du gaz et qui peuvent un peu éclairer cette histoire de euh, l'approvisionnement par euh, la Russie, de l'Allemagne, de l'Europe est-ce que vraiment les États-Unis veulent saboter ça et pourquoi et qu'est-ce qu'il en est de la production et de la vente du gaz aujourd'hui dans le monde Je crois qu'on doit vraiment consulter les experts sur les questions comme celle-là parce que j'ai appris des choses très intéressantes dans cette consultation. Euh, D'abord, l'expert en question voulait rester anonyme parce qu'il a dit... Tous les consultants, tous les spécialistes du gaz savent ce que je dis, mais ça ne peut pas être rendu officiel. Les décideurs politiques le savent aussi, mais on ne peut pas le dire au public. Alors pourquoi Mais Bruno me disait ben en fait, euh, l'information est diffusée parce que ce que les États-Unis, qui sont en déclin, contrôlent quand même encore relativement bien dans le monde, c'est justement les services secrets, les services de désinformation, les médias, les agents d'influence, les élites culturelles et politiques, le dollar aussi, bien entendu. Mais euh, les États-Unis sont, disait Bruno, en grande difficulté parce que euh, les spécialistes du Pentagone et de la CIA ont découragé Blinken, le ministre des Affaires étrangères de, de Biden. Lui ont dit que si on faisait la guerre à la Russie par l'intermédiaire de SWIFT, vous savez, c'est l'organisation des échanges bancaires internationaux, donc toutes les compensations entre banques passent par là. Et euh, il y a eu d'ailleurs des reportages très intéressants de Denis Robert que je salue sur toutes les corruptions et les fraudes et les crimes qu'on cache là-dedans, mais ça c'est pour une autre fois. Et euh, Blinken et Biden voulaient euh, exclure SWIFT des transactions, transactions bancaires internationales pour euh, les euh, faire les mettre à genoux. Et les spécialistes US ont dit que en fait l'Occident allait perdre plus que la Russie dans cette... Euh, si on faisait ça. Donc, je reviens à la question du gaz. Quelle est la situation aujourd'hui sur le plan de l'énergie En fait, on nous dit que les États-Unis, avec leur gaz de schiste, sont capables de remplacer la Russie et que ce serait un approvisionnement beaucoup plus sûr pour l'Europe et pour d'autres. En réalité, d'après la consultation que j'ai eue, D'ici deux ans, leur production va commencer à baisser. Et c'est un mythe, me dit l'expert, qu'ils vont faire pchit. Donc ils ont encore deux ans pour faire croire qu'ils ont une solution. Parce qu'en fait, ce qui est incontournable, c'est que la Russie, ça représente 45% des exportations dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez danser sur votre tête, c'est comme ça. Le gaz, il est là. Et sans le gaz russe, l'Europe s'effondre. Et c'est pour ça que, en fait, ce sont les Allemands, ce n'est pas Poutine, qui voulaient le euh, pipeline Nord Stream euh, que j'ai montré dans une précédente émission. Je n'ai pas présenté, intégré euh, l'image ici, mais c'est un pipeline euh, gazoduc, plus exactement, qui va directement de la Russie vers euh, l'Allemagne. Et euh, c'est eux qui voulaient absolument avoir ce Nord Stream. Alors, euh, on a entendu récemment que les Européens cherchaient des alternatives dans les pays du Moyen-Orient. Oui, il y a plusieurs euh, États arabes qui produisent du gaz, mais eux-mêmes, ils en consomment beaucoup. Donc, ils n'exportent pas tellement, ils vont pas pouvoir euh, concurrencer la Russie. En fait, il y a trois grands producteurs de gaz dans le monde, la Russie, l'Iran et le Qatar. Bien sûr, il y a des autres gisements, méditerranéens ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est que l'Iran fonctionne avec la Russie, s'arrange avec la Russie sur les dossiers euh, énergétiques, économiques et politiques et autres. Euh, je lisais d'ailleurs récemment euh, un communiqué iranien disant que voilà, on avait réussi à beaucoup renforcer la production du gaz malgré les sanctions et le blocus des États-Unis. Donc ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'Occident. Et donc, le troisième gros producteur, c'est le Qatar. De toute façon, euh, le Qatar ne peut pas suffire à exporter suffisamment pour remplacer la Russie. En plus, euh, ça coûte cher parce que c'est loin, il y a des difficultés. Donc, soit ils font des gazoducs qui euh, passent par des territoires où la Russie a son mot à dire, ou l'Iran aussi, euh, passer en Syrie, en Irak. Euh, Israël, c'est trop risqué de faire passer euh, le gazoduc par là. Euh, le Hamas ou le Hezbollah pourraient évidemment faire pression. Et donc, la manière de transporter ce gaz du Qatar, c'est par des bateaux très coûteux qui devraient passer par le détroit d'Hormuz, mais l'Iran peut le bloquer en cas de conflit mondial. Et en plus, c'est un gisement partagé entre le Qatar et l'Iran. Et en plus, le Qatar, vous savez qu'il vit notamment, il y a des gros revenus d'une compagnie aérienne très importante, mais elle doit passer par le. Euh, L'espace aérien iranien. Donc, euh, le Qatar euh, veut aussi euh, joue maintenant un rôle pour faire contrepoids au Saoud. Il a besoin de un peu euh, coopérer avec l'Iran aussi pour empêcher que les Saouds vassalisent le Qatar comme ils l'ont fait avec le Bahreïn. Donc, euh, le Qatar ne peut pas trop mécontenter l'Iran, ne peut pas trop le contenter, pas trop concurrencer la Russie non plus. Biden a convoqué l'émir du Qatar à Washington pour lui dire, bon, maintenant, vous allez m'aider à remplacer le gaz de la Russie, mais ça n'a pas débouché, ça n'est tout simplement pas possible. Et donc, pour l'Europe, c'est un enjeu économique très, très important, parce que la Russie, on va y revenir, est le partenaire économique normal de l'Europe et de l'Allemagne. Et encore plus avec les routes de la soie pour le commerce via les, euh, les routes de la soie, le commerce vers l'Europe, qui doit passer fatalement par le territoire russe. Donc euh, l'Allemagne est complètement dépendante par rapport à ça. La France a un peu plus d'autonomie grâce au gaz algérien ou grâce à l'énergie atomique. Donc ça explique euh, les crimes. Euh, euh, au Mali et au Niger et euh, en Afrique en général, dont on a parlé dans un autre euh, Michel Midi. Donc en fait, les États-Unis sont très énervés aujourd'hui parce qu'ils sont en train de perdre euh, un par un tout leur levier de contrôle sur les pays européens. Or, sans l'Europe, les États-Unis ne peuvent pas faire face aux puissances montantes et concurrentes. Donc ils sont dans une course contre la montre. On est dans une période charnière décisive et dangereuse. Euh, est-ce qu'ils vont accepter, comme je le disais dans la précédente émission Ukraine, qu'ils sont une puissance en déclin et que maintenant ils doivent tout simplement accepter que le monde est unipolaire, multipolaire pardon, et qu'ils ne sont plus les maîtres du monde Ou est-ce qu'ils vont justement euh, tenter des actes désespérés pour maintenir leur domination C'est un point que je discutais beaucoup ces derniers temps avec Bruno. On a maintenant la réponse avec l'Ukraine, en ce sens que les États-Unis n'ont rien fait pour négocier, n'ont rien fait pour calmer le jeu, et je pense qu'ils ont au contraire considérablement excité euh, le problème et poussé, provoqué à Poutine à réagir de la façon dont il l'a fait. Donc voilà, c'est le problème du déclin des États-Unis. Euh, L'Europe. Est en déclin aussi, c'est pas une puissance économique fondamentale, elle n'a pas de matières premières, à part l'Allemagne, elle ne produit plus tellement sur son sol, et donc euh, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran, ni même l'Afrique n'ont besoin économiquement de l'Europe, et donc les... on, on est dans le rapport de force mondial qui est en train de changer. Alors il y a évidemment beaucoup de bluffs sur cette question du gaz, Ursula von der Leyen a prétendu. Que maintenant, j'ai trouvé des alternatives. Nous sommes plutôt du côté de la sécurité. C'est du blabla parce que Patrick Pouyana, le PDG de Total Energy, la société française pétrolière et gazière, venait d'affirmer que l'Union européenne n'avait aucune alternative au gaz russe et que maintenir un dialogue avec les fournisseurs russes serait essentiel à la survie de l'Europe. Voilà, euh, un petit, une petite remarque écolo aussi. On nous dit, et notamment dans les Partis Verts qui soutiennent les États-Unis. On nous dit que les, euh, le gaz du Qatar serait une alternative. Bon, il faut le mettre sur des bateaux, il faut euh, des très longs trajets, et, euh, et, et de point de vue écologique, c'est tout à fait euh, négatif et néfaste. Je m'excuse auprès d'une personne qui dit que le son est faible. Mettez votre euh, euh, micro au maximum. Euh, je vérifie auprès de, oui, de mon ami euh, Sacha qui euh, vérifie euh, à distance et qui me dit que le son de ma voix est normal. Donc, je pense que les personnes qui m'entendent mal doivent mieux régler eux-mêmes leurs haut-parleurs sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Voilà. Euh, la guerre du gaz, c'est un concept important dont on ne parle pas beaucoup. Et en fait, j'ai publié un livre qui s'appelait Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, en 2000, au lendemain de la guerre contre la Yougoslavie, qui, à mon avis, présageait beaucoup des choses qui sont arrivées par la suite et qui arrivent maintenant. Dans ce, dans ce livre, j'avais euh, avancé l'explication que les routes du pétrole et du gaz était un enjeu stratégique fondamental, qu'auparavant, on se battait pour contrôler des pays directement, et bien entendu les pays pétroliers ou gaziers, ou les, euh, les ressources minérales, je pense au Congo, mais que maintenant, en fait, les routes du pétrole et du gaz sont encore plus importantes que de contrôler les gisements eux-mêmes. J'avais montré ça à propos de la bataille pour contrôler les euh, corridors stratégique où devaient passer ces pipelines, ces gazoducs et des routes commerciales importantes en Europe. Et j'avais montré effectivement, c'était donc écrit en 1999, publié en janvier 2000, j'avais indiqué qu'effectivement, là où passaient les routes du pétrole et du gaz, on allait avoir des explosions, des guerres, des coups d'État. Et ça s'est confirmé. Je vous montre ici la carte de qui montre l'Afghanistan. C'est-à-dire que les euh, gisements de pétrole et de gaz en dessous de la Caspienne et dans toute la région des, euh, des pays euh, en temps de l'Asie centrale, euh, le pipeline pour amener ça vers l'Inde, vers l'Asie, vers le Sud, donc vers les clients, euh, passait par l'Afghanistan et que ce serait une cause. D'une du, un, guerre sur ce territoire. Et ça s'est confirmé, j'ai déjà fait des émissions là-dessus, je ne le développe pas, donc ça c'est tout à fait confirmé, mais dans le même livre, je développais une autre carte vers l'Ouest et le Nord, dans laquelle j'indiquais que les routes pour amener ça vers les clients européens devaient passer soit par la Bulgarie et la Yougoslavie, et donc ça expliquait, était une des raisons, pas la seule, du conflit de 99 mais qu'une de ces routes passait, après le trajet en bateau par la mer Noire, par l'Ukraine. Et donc j'avais dans ce livre indiqué que l'Ukraine était effectivement une des prochaines cibles, et que la bataille du gaz, comme je l'avais intitulé, euh, page 127, la bataille, la, la bataille du gaz sera tout aussi féroce. Donc quand on analyse les intérêts, quand on analyse les ressources énergétiques et minières et qu'on n'écoute pas les blabla, mais qu'on on se centre sur les intérêts économiques et stratégiques, on pouvait comprendre tout ceci. J'ai expliqué à ce moment-là qu'on prévoyait un développement énorme de la consommation mondiale de gaz, 80% de plus qu'à l'époque, et que voilà, le gaz devient plus compétitif comparé à d'autres énergies, plus écologiques, oui, bon, à moitié. Et que justement, la Russie détient euh, des grandes réserves fondamentales mondiales et que l'Occident voulait euh, contrer cette situation. Dans le euh, même euh, livre, j'avais analysé la question de l'Ukraine euh, en indiquant que, d'une part, euh, Zbigniew Brzezinski soulignait le rôle central de l'Ukraine. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. L'Ukraine constitue l'enjeu essentiel. Je vais y revenir dans un instant. Que la... Georges Soros, le célèbre soi-disant philanthrope et en réalité euh, la CIA a privatisé les États-Unis, avait déclaré en 1995 déjà, actuellement je suis surtout engagé en Ukraine. C'est là que ma contribution peut être la plus efficace. George Soros est quelqu'un qui euh, finance énormément des projets alternatifs pro-Occidentaux un peu partout dans les pays du Sud et les pays de l'Est, en fait, d'une part pour acheter, corrompre les nouvelles élites, faire en sorte qu'elles soient pro-États-Unis, et aussi développer son business dans, dans ces pays-là. Donc, euh, en fait, cette guerre contre la Yougoslavie était vraiment le, le présage de ce qui euh, se préparait au niveau des États-Unis et de l'OTAN pour la recolonisation du monde, la recolonisation des territoires euh, perdus. Et d'ailleurs, il faut bien voir quel est le rôle de l'OTAN. Et pour ça, il n'y a rien de tel que d'écouter euh, les responsables, les experts de l'OTAN eux-mêmes, tout simplement. Ce qui malheureusement n'est pas fait dans nos médias, mais ce qui est un petit peu... Euh, ma démarche systématique, il faut toujours aller étudier son adversaire, étudier ce que dit l'ennemi. Et c'est d'autant plus faisable qu'aux États-Unis, ces textes sont totalement publics. On peut les consulter. Euh, c'est absolument pas secret. Il n'y a pas besoin d'aller faire les poubelles. Tout est là euh, maintenant sur Internet. Et notamment, Stephen Blank disait, dans, cité dans Monopoly, euh, ben on n'a plus besoin de l'OTAN évidemment, puisque euh, l'Union soviétique n'existe plus, puisque le pacte de Varsovie n'existe plus, plus personne ne pense que l'Union soviétique va envahir l'Europe. Et donc, euh, la fonction, disait Stephen Blank, principale de l'OTAN sera d'être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale économique de sécurité politique et culturelle. Donc, L'OTAN, ça sert à intégrer les pays qui ne veulent pas dans la zone de domination économique des États-Unis. Euh, c'est ça le message, c'est ça le, le rôle de l'OTAN. Je rappelle que dans cette guerre contre la Yougoslavie, à laquelle ce livre était consacré, les États-Unis ont bombardé par erreur, bien entendu, l'ambassade de Chine. Il leur manquait une carte pour savoir où se trouvait exactement l'ambassade de Chine. Donc c'est par erreur que le missile est tombé dessus et a... Euh, Tuer d'ailleurs trois, trois personnes euh, en 1999. J'ai été voir ça sur place, j'ai été voir les lieux. On doit revenir à Zbigniew Brzezinski que j'ai mentionné. Zbigniew Brzezinski a expliqué très clairement l'attitude des États-Unis. Vous savez, euh, le grand échiquier, c'est le manuel du parfait maître du monde. Donc c'est. Euh, il est plus aux affaires, donc il parle brutalement. Il explique comment les États-Unis doivent s'y prendre pour garder leur domination mondiale malgré leur déclin économique et politique qu'il constatent évidemment. Et donc la méthode Brzezinski, je la résume, elle est à la page 108 de ce bouquin qui est malheureusement épuisé. On devrait essayer de le rééditer, mais voilà, on a beaucoup de travail, peu de moyens. Euh, Brzezinski dit euh, Le problème central pour l'Amérique, c'est de bâtir une Europe fondé sur les relations franco-allemandes, liées aux États-Unis, et qui élargissent la coopération dont dépend l'hégémonie globale de l'Amérique. Il appelle l'Amérique les États-Unis, bien sûr. Et donc, il dit, voilà, l'Europe, ça sert à garder la domination sur le monde des États-Unis. Un peu plus loin, euh, le problème, c'est que l'Allemagne est une force montante, c'est le partenaire le plus difficile à accommoder. Donc il faut poursuivre la poursuite du couple franco-allemand, parce qu'évidemment on a besoin que l'Europe soit un peu forte contre la Russie, etc. On ne peut pas affaiblir complètement l'Europe, mais il faut, dit-il, limiter le leadership allemand. Alors sa méthode un peu plus loin, euh, la France n'est pas dangereuse pour lui. La France n'est pas assez forte pour faire obstacle aux objectifs géostratégiques fondamentaux de l'Amérique en Europe. L'Allemagne pose des problèmes d'une autre nature. Il ne faut pas accepter sa prééminence régionale, il ne faut pas accepter qu'il soit le moteur de la construction européenne. Donc vous voyez là, il y a une attitude extrêmement hostile en fait, c'est soi-disant des alliés, des amis, mais en réalité euh, c'est une attitude hostile, et donc la solution, dit c'est l'expansion de l'OTAN. L'expansion de l'OTAN, je cite, est essentielle, sinon les États-Unis n'auraient plus les moyens d'avoir une politique d'ensemble en Eurasie, et à ce moment-là, on risque un, un, une alliance Moscou-Pékin. La Chine, dit Brzezinski déjà à l'époque, pourrait être le pilier d'une alliance anti-hégémonique Chine-Russie-Iran. Et donc, c'est pour ça, en fait, que dès, dès la fin de l'Union soviétique, euh, et soi-disant malgré les grandes déclarations d'amour envers la Russie redevenue capitaliste, c'est pour ça qu'en fait, on parle vraiment d'une bataille des États-Unis contre l'Europe. Ça, c'est la chose très, très importante qu'on doit être capable d'expliquer euh, autour de nous. Euh, pas tout le monde euh, suit les affaires internationales, pas tout le monde euh, reçoit les infos sur ce genre de conflit. Donc, on doit trouver le moyen de parler aux gens proches de nous pour leur faire comprendre que c'est aussi une guerre contre l'Europe. Alors vous allez me dire, j'exagère, ben non, euh, encore une fois, j'ai des bonnes sources, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Voici euh, George Friedman, qui est euh, un, pratiquement l'expert, le, le stratège euh, numéro un à l'heure actuelle aux États-Unis, et dirige la Rand Corporation, qui est en quelque sorte le bureau d'études de la CIA, du Pentagone, des multinationales, etc. C'est la principale think tank aux États-Unis. Je cite, ça c'est une citation dans mon livre euh, USA les 100 pires citations. Et donc Friedman déclare en 2015 déjà, la priorité des États-Unis est d'empêcher que le capital allemand et les technologies allemandes s'unissent avec les ressources naturelles et la main-d'œuvre russe pour former une combinaison invincible. Donc pas d'alliance entre le capitalisme allemand et la Russie soit comme marché, soit comme fournisseur de gaz. Vous voyez donc clairement que Friedman, là, euh, il considère l'Allemagne comme un ennemi, comme un danger. Euh, ça, ça doit faire réfléchir. Et d'ailleurs, il a euh, développé la même idée dans une conférence euh, internationale. Et ceci a été euh, présenté par un ex-général euh, allemand, Johann Scholz, que vous voyez en médaillon là-bas, et il s'est révolté contre la soumission de l'armée allemande et de l'Allemagne aux États-Unis, et il a publié la carte que vous voyez là, donc c'est un peu en allemand, mais on comprend, il a développé la carte pour illustrer que Friedman veut en fait un cordon sanitaire pour séparer l'Allemagne et la Russie. Donc ce cordon sanitaire, il est composé de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Tout ça, c'est donc une barrière, euh, un mur de fer, euh, excusez-moi, pour empêcher l'Allemagne la, de coopérer économiquement avec son partenaire euh, naturel fondamental. Donc euh, ça vous explique. Quand Mme Nuland à Kiev disait fuck de EU, mais elle est tout simplement une disciple, elle applique la théorie de Brzezinski, la théorie de Friedman, c'est ça qu'elle appliquait. En fait, on doit. Il y a même aux États-Unis des personnes qui réfléchissent un peu à contre-courant, même dans les services ou dans la diplomatie, et des personnes qui disent que l'approche des États-Unis est vraiment très, très mauvaise et très dangereuse. Euh, et j'ai trouvé dans ce rapport de Scholz que je montrais à l'instant par le premier ministre, l'autre, j'ai trouvé que il disait voilà les promesses que l'OTAN avait faites, les promesses que les États-Unis avaient faites. Vous savez, j'avais expliqué ça dans l'émission précédente, mais je résume. James Baker, le ministre des Affaires étrangères et l'envoyé spécial des États-Unis du président Bush auprès de Gorbatchev, euh, on dit, voilà, il faut que l'URSS lâche euh, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie et tous ces pays-là, qu'elle lâche ses alliances. Et Gorbatchev, euh, qui louche de plus en plus vers le capitalisme à l'occidental, euh, dit, d'accord, mais... Euh, vous ne pouvez pas en profiter pour que l'OTAN vienne aux portes de la Russie. James Baker déclare textuellement, il y a beaucoup de témoins, l'OTAN n'avancera pas d'un mètre vers la Russie. En réalité, euh, on va le voir dans les cartes, ils ont avancé systématiquement, ils ont fait euh, une expansion incroyable, et euh, vous voyez ici une première carte qui vous montre à gauche en 1990-90 comment euh, et, quel était le territoire on va dire de l'OTAN et en 2020 à droite vous voyez quel est le territoire aujourd'hui et encore il n'y a pas l'Ukraine et c'est ça toute la question je vais montrer dans une autre carte euh, ici d'abord vous voyez tous les pays qui ont rejoint l'OTAN depuis 1997 donc il y en a 14 donc, ça confirme que les promesses des États-Unis ne valent rien, qu'il ne faut jamais les croire, que ce sont des mensonges pour obtenir des résultats et après on les remet en question. Et donc, les États-Unis ont installé des bases absolument partout, et notamment dans l'ex-Yougoslavie, euh, à Cambon Steel. Et euh, je montre d'abord cette euh, base de Cambon Steel. C'est une base ultra importante pour contrôler l'Europe de l'Est. Elle a servi aussi de petit Guantanamo européen pour abriter clandestinement des prisonniers kidnappés dans toutes sortes de pays du monde et illégalement par les états-unis C'était la spécialité d'obama et donc les états-unis installent des bases absolument partout et mon ami olivier berruyer dont j'ai parlé déjà un peu plus haut a on a fait une carte très humoristique la russie veut la guerre voyez comme ils ont placé leur pays tout près des bases américaines et effectivement vous voyez l'encerclement énorme vers la Russie et aussi vers la Chine, on pourra y revenir. Et donc, l'expansion euh, de l'OTAN contre la Russie a vraiment euh, connu une, une, une expansion, je me répète, phénoménale. Et euh, cela est bien montré par un petit PowerPoint que Nico Hirt, que je salue, a réalisé et diffusé hier. Il m'a aimablement prêté ses cartes et je vais vous les montrer. Ça montre, depuis 1942, le rapport de force militaire entre euh, l'URSS puis la Russie et euh, les États-Unis et leurs bases militaires. En 1942, vous avez la situation suivante. En brun, les nazis occupent la plus grande partie de l'Europe, y compris l'Ukraine y compris une partie de la Russie, et la Russie est vraiment menacée d'être totalement avalée et détruite. Elle était moins une là-bas. En 1944, la Russie libère une grande partie du, pardon, du territoire européen. Le rapport de force change. En 1945, il y a le pacte de Varsovie qui fait contrepoids à l'OTAN. Euh, qui fait contrepoids, je veux dire, aux, aux forces occidentales. Vous avez ici la carte en 1949, au moment de la formation des deux blocs, quels sont les pays de l'OTAN en mauve et les pays de l'Union soviétique et de ses alliés en rouge. En 1955, on voit que l'encerclement commence avec la Scandinavie et la Turquie, très très importante. En 1990-90, on voit que l'encerclement le, se poursuit avec en zone grise une série de pays qui ne sont plus avec l'Union soviétique et la Russie, mais qui ne sont pas encore dans l'OTAN. Par contre, en 1999, là, euh, l'OTAN commence à s'élargir énormément. La Biélorussie est encore en rose, l'Ukraine en gris, mais la zone rouge euh, recule. En 2004, euh, euh, ça se renforce euh, la progression de l'OTAN. En 2014... L'Ukraine devient une quasi dépendance de l'OTAN. Il y a juste la Crimée dans le petit cercle là en rouge que, qui est récupérée pour la Russie. Et en 1922 maintenant, avec ce qui chauffe les projets, les déclarations des officiels des États-Unis de absolument intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, vous voyez qu'en fait, avec ce système-là. Euh, les bombes de l'OTAN seraient à la porte de Moscou. Donc on nous dit c'est le progrès, c'est moderne et les gens le veulent. Ce pas vrai. Je ne pense pas que les Ukrainiens, ils veulent être un champ de bataille euh, d'une possible guerre nucléaire, d'une possible guerre des missiles. Et donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est que justement... Ce n'est pas du tout l'intérêt de, de la paix d'avoir ces bases militaires US absolument partout. Vous savez qu'il y a 800 bases militaires US dans le monde officiellement. Il y en a des clandestines aussi. On est proche du millier. Ça n'est pas du tout un facteur de paix. C'est un facteur de risque et de danger. Si on mettait euh, des bases militaires russes, je ne sais pas moi si la France était encerclée par des bases militaires qui seraient à Amsterdam, à Berlin, à Milan. Et à Barcelone, est-ce que trouverait ça drôle Non, évidemment. Donc, on doit euh, voir que les États-Unis ont absolument provoqué la situation en voulant réduire totalement la Russie à, à rien du tout. Alors, je parlais de Scholz. J'ai parlé des documents qu'il a révélés. Donc, c'est un militaire, un gradé euh, allemand rebelle. Il a publié une série de documents pour faire réfléchir euh, ses collègues, pour faire réfléchir l'opinion publique allemande. Et notamment, il a euh, dévoilé quelque chose qui n'est absolument pas dans les médias occidentaux. Mais pourquoi C'est qu'en euh, mars 2021, le Conseil de sécurité nationale de l'Ukraine a présenté des plans au gouvernement et... Euh, au président pour, je cite, une stratégie d'évacuation et de réintégration des territoires temporairement occupés de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Donc ça, c'était dans la dernière petite carte euh, là-bas. Euh, en fait, dans la situation actuelle, euh, je pense que les provocations venaient... Euh, principalement, comme on l'a dit précédemment, de, du gouvernement de Kiev et des, des, des groupes néo-nazis, à mon avis, poussés par les États-Unis. Et donc, Scholz, le militaire allemand, disait, il faut que les généraux allemands ont fait faillite. Dans son rapport, il dit, ces élites fonctionnelles, nos politiciens, nos savants, des think tanks, quand vont-ils comprendre que les intérêts allemands et l'Europe et européens doivent être dirigés vers une orientation pacifique du continent eurasien au lieu de se soumettre, de se capituler devant les intérêts anglo-américains qui veulent justement empêcher l'autonomie de l'Europe. D'ailleurs, il y a un phénomène intéressant qui n'a pas non plus été dans nos médias, c'est que le vice-amiral Schönbach, le chef de la marine allemande, a démissionné après avoir déclaré qu'en fait la Russie cherchait simplement à obtenir le respect de ses préoccupations en matière de sécurité en Europe. Et que d'ailleurs, ce qu'on a constaté, que j'avais relevé dans les, les, les missions précédentes, c'est que les entreprises allemandes ont longtemps refusé les pressions exercées par Washington pour imposer des sanctions à leurs partenaires commerciaux. Et tout récemment, pardon, les affaires étrangères des États-Unis ont pris des mesures, mais vraiment euh, ahurissantes, en dictant à l'Allemagne qu'elle devait fermer le gazoduc Nord Stream qui la relie à la Russie. C'est pourtant un problème qui a rien à voir avec les États-Unis. Et Ned Price, le porte-parole du département américain, a dit euh, il faut arrêter Nord Stream 2 et euh, c'est vraiment l'ingérence, le, c'est les maîtres du monde qui décident à la place de tout le monde. Donc, euh, j'ai euh, parlé de George Friedman et de son aveu qu'effectivement la politique des États-Unis est contre l'Allemagne. La question à se poser est pourquoi est-ce que sous cette, ces citations, ces déclarations de responsables des États-Unis que je viens de citer ne sont jamais dans nos médias pour nous faire comprendre la situation Pourquoi ils relayent uniquement les déclarations officielles, les communiqués de presse, les déclarations officielles à la, à la télé, etc., et jamais la pensée réelle des dirigeants des États-Unis. Euh, en voici encore une dernière pour euh, la route euh, qui est importante. C'est une étude de la RAND qui donne les objectifs des États-Unis en Europe et en Ukraine. La RAND, je l'ai parlé avec Friedman, c'est le, le Tsing Tang, le bureau d'études, déclare, nous examinons une série de mesures non violentes qui pourrait exploiter les vulnérabilités et les anxiétés de la russie. les mesures que nous examinons n'auraient pas pour objectif premier la défense ou la dissuasion elles sont plutôt conçues comme des éléments d'une campagne destinée à déséquilibrer l'adversaire à amener la russie à se battre dans des domaines ou des régions où les états unis ont un avantage concurrentiel à pousser la russie à se surpasser sur le plan militaire ou économique ou à faire de perdre au régime son prestige et son influence internationale. Et donc, c'est assez incroyable que ce genre de document soit, soit publié. Ça, c'est dans un article récent de Diana Johnstone, que je salue. Euh, dans un article qu'elle a publié récemment aux États-Unis, elle disait, Pendant toute une génération, les dirigeants russes, Poutine aussi, ont fait des efforts extraordinaires pour construire un partenariat pacifique avec l'Occident. Ils voulaient une collaboration institutionnalisée avec l'Union européenne et surtout avec l'OTAN. Et, et on les a tournés en ridicule, on les a humiliés, on a refusé. Euh, beaucoup de gens aux États-Unis disent ça aussi. Et donc, en fait, la question, c'est pourquoi la, la question, je pense, c'est que les euh, États-Unis ne veulent pas avoir des amis. Euh, et ne veulent pas une attitude amicale envers leurs alliés. Il y a une véritable bataille entre les États-Unis et l'Allemagne aussi. Euh, et tout ce que Brzezinski a expliqué, ça se confirme actuellement. Il y a de la part des monopoles, des grandes multinationales, une pression énorme pour contrôler les marchés et se faire des nouveaux colonies et contrôler la main-d'œuvre et pouvoir euh, aussi euh, monopoliser les matières premières, monopoliser l'énergie, et donc c'est cette bataille-là économique des multinationales qui est la cause fondamentale de de l'attitude agressive des États-Unis, y compris envers leurs alliés, c'est des chantages envers l'Allemagne, envers la France, envers l'Europe. Et en fait, la raison, c'est que comme je le disais il y a un instant, les États-Unis sont dans une crise profonde, et c'est ça qui les oblige à augmenter leurs efforts pour dominer l'Europe, pour dominer l'économie allemande et l'annexer. L'Allemagne, c'est à la fois un allié et un rival économique, donc un adversaire. Et s'il y a ce commerce de l'Allemagne avec la Russie et avec la Chine, euh, les États-Unis n'auront plus le continent européen à leur botte pour dominer le monde. Et c'en est fini de la domination des États-Unis. Ça dépend de l'attitude que va prendre l'Europe. Et donc, l'OTAN, ça sert à ça ça sert à renforcer la domination des états-unis sur l'europe. ça sert à mener des interventions militaires dans toutes sortes de parties du monde. c'est vraiment devenu le, le gendarme du monde. <coughs> pardon, voilà donc là la, la, la domination des états-unis. c'est clairement l'explication. la volonté de rester les maîtres du monde, c'est clairement l'explication de tout ce qui se passe maintenant et euh, Rien ne vaut une bonne guerre pour détourner l'attention aussi des énormes problèmes. Euh, ah, on a un petit problème euh, ici euh, de caméra qui ne bouge plus. C'est déjà arrivé quand euh, c'est un peu trop long à mon avis. On va, euh, on va terminer l'émission euh, en radio comme euh, j'ai un peu dépassé ma limite. J'ai encore deux trois choses à vous dire. C'est presque fini. Euh, <coughs> on va euh, je vais vous signaler qu'il y a un très bon film aux États-Unis, je pense qu'on peut le voir sur l'Inde, qui s'appelle Wag the Dog, qui montre effectivement comment on provoque une guerre aussi pour, euh, passer, pour faire passer euh, à la population le, le besoin de se révolter sur les enjeux économiques et sociaux. Actuellement, vous avez des fortunes monstrueuses qui se développent aux États-Unis. Biden n'a pas tenu sa promesse d'augmenter le salaire minimum. Et donc, on se retrouve avec un grand risque de révolte et rien de tel qu'une bonne guerre pour détourner l'attention. Euh, voilà. Euh, la Chine est à l'arrière-plan de ce grand... Euh, danger pour les États-Unis parce qu'on a un, une alliance, un bloc qui s'est formé entre Moscou et Pékin et la Chine est en train de se renforcer énormément sur le plan économique et ça, il faut toujours revenir à ce euh, paramètre-là. C'est que je recevais récemment un rapport sur d'un économiste de l'Académie chinoise des sciences sociales. Et il montre que la consommation chinoise en 2021 a augmenté de 12% par rapport à 2020 et de 7% par rapport à 2019, malgré la fermeture de certaines entreprises du au covid et que la contribution de la consommation intérieure aux produits... PIB, donc la production globale de la Chine, est de 65%. Ça veut dire que la Chine est en train de passer du statut d'un pays exportateur de produits d'abord de basse qualité et de consommation courante plus, plus élevée à un pays qui se repose principalement sur son marché, qui développe des productions technologiques, des productions avancées et que donc elle a de moins en moins besoin aussi de, des États-Unis et de l'Europe, et qu'elle va construire une économie qui est beaucoup plus solide et moins dépendante de la consommation dans des pays en crise. Et donc, ça, c'est un facteur très, très important euh, pour euh, comprendre ce qui se passe euh, dans ce triangle États-Unis, Russie, Chine où l'Europe joue un petit rôle. Et c'est un facteur très, très important pour comprendre qu'en fait, les États-Unis sont dans une position désespérée. Ça les rend dangereux, mais en même temps, on ne doit pas se laisser intimider par eux. Euh, J'avais préparé une série de cartes, mais j'ai déjà, déjà été un peu long. Et puis, euh, on, on en reparlera dans une prochaine émission. Avec ces cartes, je souhaitais montrer que... Euh, les États-Unis qui donnent énormément de leçons qu'on ne peut pas faire la guerre, qu'on ne peut pas utiliser la violence dans les relations internationales, sont en réalité euh, le professeur négatif absolu parce qu'ils sont intervenus dans euh, la majorité des pays du monde par la violence, mais on le gardera pour une prochaine fois. Euh, je voulais aussi poser la question. Est-ce que la réaction de Poutine est la bonne Est-ce que ce que l'Union, la, la Russie a fait est une solution euh, Je crois que c'est fort douteux. Je crois qu'il y a une violation du droit international, qu'il y a un très grand danger de dresser les peuples les uns contre les autres. Euh, bien entendu, on ne sait pas tout. On ne sait pas si euh, elles sont certaines des raisons qui ont été euh, euh, invoquées pour riposter de cette manière. Il est clair que les États-Unis ont absolument voulu provoquer ce qui se passe. Y avait-il une alternative euh, La Chine a pris une position euh, nuancée sur cette histoire. Elle a fait une euh, déclaration. Euh, que je vais chercher sur mon téléphone, j'ai reçu une déclaration intéressante. Euh, voilà, c'est un ami irlandais que je salue, Adrien, qui me le signalait. Pour une fois, dans un quotidien britannique, on a vu autre chose que les blablas habituels. On, on rapportait la position du porte-parole des affaires étrangères chinois, Hua Chunying, pardon pour mon accent, et il disait, je cite, Lorsque les États-Unis ont mené cinq vagues d'expansion de l'OTAN vers l'Est pour euh, déployer une offensive des armes d'offensive stratégique malgré en violant toutes les assurances qu'ils avaient données à la Russie, est-ce que les États-Unis ont jamais pensé aux conséquences de pousser un grand pays contre le mur euh, Ils l'ont fait contre toute une série de petits pays et là le rapport de force a joué en leur faveur. Maintenant, Poutine, après avoir reculé pendant des années, il faut quand même le souligner, a décidé de montrer que lui aussi pouvait jouer le rapport de force et utiliser la violence. Euh, Était-ce la solution Mais pour nous, Européens, la vraie question n'est pas de critiquer Poutine. Euh, il est critiquable sur beaucoup de, de questions, et notamment sur sa politique économique et sociale, bien entendu. Mais la vraie question est comment allons-nous forcer les États-Unis à négocier vraiment à arrêter leurs bases militaires et leur exportation provoquante d'armes un peu partout dans le monde Quand allons-nous euh, obliger les États-Unis à euh, adopter une politique de paix Quand allons-nous obliger l'Europe, nos gouvernements, à cesser d'être le petit chien qui court derrière les États-Unis et qui donc favorise des guerres On a parlé euh, il y a très récemment de euh, l'émission sur le Mali avec Aminata Traoré. Euh, et donc quand est-ce que' on va vraiment reconstruire un mouvement pour la paix euh, et euh, vraiment travailler en tant qu'Européen pour ça euh, Un petit mot sur euh, l'Ukraine qui est aussi victime de cette euh, situation il euh, y a eu on a signalé récemment qu'il y a eu une conversation téléphonique il y a une dizaine de jours je pense, Assez étonnante entre le président ukrainien Zelensky et le, le président Biden. Euh, D'après un haut fonctionnaire ukrainien, l'entretien le, téléphonique s'est pas bien passé. Zelensky a exhorté Biden à calmer le jeu sur la situation, situation en Ukraine et il a dit qu'il n'est pas certain qu'une attaque aura lieu et qu'il faudrait une reprise des pourparlers diplomatiques à Paris avec l'Allemagne et la France pour appliquer les accords de Minsk. Zelensky a déclaré qu'il espérait que le cessez-le-feu tiendrait. Et donc, toute la question, c'est est-ce que les États-Unis ont provoqué et fait le malheur aussi du peuple ukrainien Moi, je pense qu'ils utilisent clairement euh, des. Euh, des euh, populations euh, local pour euh, comme, comme chair à canon et qu'il s'en fichent complètement que les Ukrainiens souffrent maintenant. Euh, L'objectif c'est d'affaiblir la Russie, d'essayer de la piéger, d'essayer de la discréditer au plan international et euh, de détourner l'attention des guerres que les États-Unis mènent et des coups d'État qu'ils font. Donc la solution, je crois, pour euh, l'Ukraine serait bien plus la neutralité. C'est ce que Chomsky a dit aussi dans une interview récemment une neutralité, comme ce qu'il disait, euh, qu'ils soit absolument pas euh, dans l'OTAN et qu'ils aient pas une alliance US et, et avec les États-Unis et des bases militaires US, mais que s'ils veulent, ils peuvent être dans l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne est vraiment la panacée pour les peuples de l'Est et pour l'Ukraine J'ai de grands doutes là-dessus, mais euh, je crois que la, la solution est effectivement que l'Ukraine serait un carrefour entre L'est et l'Ouest, avec des relations économiques avec l'Europe et avec la Russie, un carrefour, un pont, et que c'est ça le véritable intérêt de la de l'Ukraine et de tous les peuples du monde. Voilà. Euh, tout en m'excusant d'avoir l'image figée, figée pour des raisons techniques, euh, je vais euh, d'une part vous annoncer la prochaine émission de Michel Midi. Ce sera euh, la guerre hybride avec Gabriel Galis, euh, directeur d'une institution d'études pour la paix en Suisse. Et la guerre hybride, euh, c'est quoi Vous allez dire euh, Eh bien, en fait, ce sont, d'après Gabriel Galis, toutes les guerres du XXIe siècle seront des opérations de guerre non militaires. Il y a toujours des opérations militaires, bien sûr, elles ne disparaissent pas, mais elles sont enrichies, préparées par de multiples procédés et procédures. Une guerre en cache une autre, l'allié recède un adversaire redoutable, l'ennemi déclaré est aussi un allié occulte, et il analyse le concept de guerre hybride avec euh, toutes sortes de technologies modernes euh, dans les conflits d'Ukraine, d'Iran, de Syrie, de Yémen aussi, etc. Ça va être assez passionnant, ce sera le 8 oui, mars toujours sur Investigation. On a dû reporter, mais c'est maintenu, ce sera le 14 mars, Georges Abdallah, le plus vieux prisonnier politique de France. Je vous rappelle ma récente émission avec Amina Tatraoré, euh, Mali vers euh, la fin de la France-Afrique et euh, le rejet de la euh, France-Afrique et le rejet du colonialisme français euh, de plus en plus en Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Je signale que tout le travail d'enquête, de préparation et de médias nécessite le renforcement d'investigation. Vous savez que nous avons lancé un appel pour embaucher un nouveau journaliste. Il est déjà là. Il fait partie de l'équipe. Il a énormément travaillé sur l'ukraine avec nous déjà les jours précédents et une partie des documents que je lui ai apporté je vous ai apporté je les dois à lui et donc euh, on a un appel par lequel cette émission va euh, se terminer pour nous aider financièrement pour nous aider à développer encore investi action avec tout ce que euh, on a vu euh, aujourd'hui et qui n'est absolument pas dans les médias vous avez bien compris que, comme le disait mon ami de la CIA McGovern en tout début d'émission, c'est aux gens eux-mêmes à faire l'information. C'est fondamental pour arrêter la guerre, pour euh, passer vers un monde meilleur qui vivra dans la paix et dans la solidarité des peuples. Je vous donne rendez-vous pour le 8 mars, mais suivez Investi Action. Il y a énormément d'articles et d'interviews qui vont paraître... Euh, dans les jours prochains sur Investigation. Inscrivez-vous à notre newsletter si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci pour votre solidarité, merci pour votre soutien. A bientôt. Chers amis, j'ai le grand plaisir de vous présenter Robin Delobel. Comme vous le savez, Investigation a décidé de renforcer son travail journalistique, son site, et nous avons reçu plusieurs candidatures. Le choix n'était pas facile, mais Robin a vraiment des qualités importantes. Il a une expérience de journaliste, il a travaillé sur la dette, il a géré un site, il a un réseau formidable de contacts en Amérique latine, en Afrique, qui sont au cœur du travail d'investigation. Donc c'était vraiment le bon choix. Merci Michel. Je suis très content de rejoindre l'équipe d'investigation dont j'ai découvert le travail durant mes études de journalisme à l'ULB, à travers euh, des films comme Bruxelles-Caracas, mais ensuite euh, bah, d'autres comme Bush, le cyclone. Et puis bah, j'ai suivi les publications, autant les livres que bien, les écrits bien sûr sur le site internet, avec des travaux formidables comme ceux de Ludo Dewey, de Saïd Boamama, euh, des livres aussi comme La Stratégie du Chaos. Et euh, j'ai découvert notamment à travers ces, ces, ces publications ce que signifie vraiment la communauté internationale, par exemple à travers la crise ivoirienne qui me touchait beaucoup en 2010-2011. Euh, je suis très contente de, de rejoindre cette équipe pour faire un travail qui est euh, des entretiens, des interviews avec des personnes de différents continents, quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire via mon expérience. Euh, C'est aussi toujours dans une optique de vulgarisation, euh, parler à un public le plus large possible et pas à un public euh, trop averti, trop, trop intellectuel, on va dire. Et voilà, aussi travailler sur des thématiques qui, qui me sont très chères, comme les questions d'extractivisme de et multinationales. Euh, déferlement technologique, euh, les luttes pour les réparations, les, les questions de dette coloniale. C'est pour ça que je, je suis content de travailler avec l'équipe et, et enrichir ce travail. Alors pour embaucher, euh, Robin, nous avons fait appel à vous. La campagne a bien démarré, mais il y a encore du chemin. Donc si vous n'avez pas encore souscrit un don ponctuel ou mensuel régulier, merci de le faire. Si vous l'avez fait, c'est le moment de parler à un, deux, trois amis pour les appeler à rejoindre la communauté des amis d'investigation. Nous sommes en train, avec Robin, avec Grégoire Lalieu, de préparer plusieurs projets qui vous rendront votre site encore plus utile au quotidien, parce que l'info, c'est un droit. Merci à vous et bienvenue, Robin.